Bienvenue donc à ce webinaire sur comment auditer simplement la sécurité des équipements IoT. Donc il est 14h, on va commencer. Aujourd'hui avec nous, on a notre expert dans le domaine qui va vous présenter notre solution Arxploit. Bonjour Mazloum. Bonjour. J'espère que vous nous entendez correctement. Donc au long de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Voilà, j'interviendrai pour interrompre Mazloum pour l'informer des questions éventuelles que vous avez. Et dans tous les cas, on prendra le temps à la fin de la présentation sur un format de 10-15 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je te laisse la main, Mazloum, pour présenter donc la solution Arxploit. Je te remercie. Donc là, je suis sur un écran. Mon écran est à gauche. Je vais vous regarder en face quand je peux. Donc, merci tout d'abord d'être pour cette présentation. C'est une présentation donc de notre outil Arxploit que nous développons en interne. C'est un outil qui peut être assez intéressant quand vous faites des tests d'intrusion hardware, c'est-à-dire vous avez une carte électronique et vous avez besoin de vous interfacer avec cette carte électronique pour l'attaquer. Donc Arxploit, c'est un outil qui existe depuis 2015. Et c'est quelque chose qui a été élaboré. Justement, on va voir pourquoi ça a été élaboré et comment on est arrivé à cette idée-là. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Pas de souci. Ok. Si j'ai pas, je suis. Oui. Je te confirme que t'entends parfaitement. Génial, merci. Donc, en fait, c'est un outil de hacking. Donc, c'était premièrement prévu pour un public vraiment de hacker. Alors, tout au départ, on voulait justement qui faisait de l'IT. Donc, c'est pour ça que nous avons une interface commande ligne qui nous permet de taper des commandes. Et nous avons également un GUI pour des personnes qui ont vraiment besoin d'une interface pratique pour attaquer leur produit IoT. Voici donc le sommaire. Pourquoi déjà est-ce qu'on s'intéresse à la sécurité IoT? Qu'est-ce qui est en jeu? Ensuite, l'écosystème, voir où est-ce qu'on peut attaquer un IoT? Et aussi, bien sûr, on va se poser la question à comment effectivement ça se passe quand on fait du pentest hardware. Et puis, nous allons donc vous montrer un exemple de pentest. En l'occurrence, c'est une carte training que nous démontrons lors des formations. Et tout à la fin, donc ça, on va revenir sur l'avenir d'Arxploit et des petites choses qu'on a prévues sur cet outil de pentest hardware. Alors, tout d'abord, justement, il y a de plus en plus de vulnérabilités. On découvre, par exemple, récemment que une machine à café a été hackée. Juste pour vous montrer ce qui s'est passé avec ce hack. Ce hack qui a eu lieu en 2019 ou plutôt début de cette année. Donc, vous me dites si vous voyez. Voilà la machine à café. Donc la machine à café a été attaquée. En l'occurrence, ça a été attaqué à travers un accès Wi-Fi. Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai un écho. Allô. C'est un peu mieux. Allô. Bonjour. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je ne vois pas la liste de participants au complet. Mais ce qui vient d'arriver, donc j'ai présenté un peu l'idée de départ d'Arxploit et on va justement, vous n'avez pas raté grand chose en fin de compte. Donc voici une machine à café qui était attaquée à travers le point d'accès Wi-Fi. En fait, ce point d'accès Wi-Fi a été exposé au départ pour que un smartphone Android puisse s'y connecter et puisse s'appairer avec la machine à café. Donc c'est une machine à café intelligente, hein, connectée, où on peut lancer son café à distance. Et pour le coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un attaquant peut également se connecter à ce point d'accès Wi-Fi qui est lancé par la machine à café et peut l'attaquer et télécharger un nouveau logiciel sur la machine. Donc bien sûr, il faut de la rétro-ingénierie pour récupérer le firmware et ensuite le logiciel embarqué. Et ensuite, une fois que la rétro-ingénierie est faite, il faut le modifier et puis
et puis le renvoyer par la connexion Wi-Fi. Donc voici ce qu'on peut voir. Donc la machine d'abord affiche un message. C'est un ransomware, en forme de ransomware. Et ce qui va se passer, c'est que ça va débiter de l'eau, ça va chauffer, donc cette surface-là va chauffer alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cafetière. Et puis il va commencer à mouliner les grains de café qui sont disponibles. Voilà. Donc ça, vous pouvez le voir également sur les slides. J'ai mis les QR pour que vous puissiez le consulter. Une autre type de vulnérabilité, c'est sur cette ce petit lit pour bébé. Et en fait, l'attaque consistait à changer le logiciel et puis faire en sorte que, au lieu de bercer le bébé doucement, bah ça le berçait avec des accélérations très importantes. Donc les attaquants, ils ont réussi à attaquer. À l'attaquer et puis à changer le logiciel sur le lit connecté pour bébé. Ok. Donc voilà les différentes vulnérabilités. Également, ce que vous en retrouvez également, c'est que il y a des imprimantes, par exemple, qui ont été attaquées. Donc ces imprimantes sont parfois disponibles en ligne. Pourquoi? Parce que potentiellement vous avez besoin de votre imprimante et vous avez besoin d'y accéder à distance. Et donc du coup, vous l'exposez sur le net. Donc vous ouvrez un port sur votre routeur qui vous permet de vous y connecter. Et les chercheurs, ils ont donc cherché des imprimantes disponibles sur le net avec donc qui sont ouverts et qui n'ont pas été modifiés, c'est-à-dire modifiés pour modifier le mot de passe. Donc c'est la configuration par défaut. Donc du coup, les attaquants, ils sont simplement connectés, ils ont changé le logiciel et ils ont imprimé du texte. Donc pour le coup, c'était des chercheurs qui ont fait ça. Ils ont fait imprimer sur 28 000 imprimantes du texte qui l'utilisateur, comme quoi leur imprimante est disponible sur le net et potentiellement peut être utilisée pour d'autres raisons, potentiellement des choses malveillantes, par exemple pour envoyer des mails, etc. Et donc ils les ont prévenus à travers un texte qui s'était imprimé sur l'imprimante. Vous avez également des Amazon Alexa qui sont vulnérables. Vous avez peut-être entendu parler des lampes Philips Hue qui étaient vulnérables. Donc avec un drone qui volait à côté donc de ces lampes à travers la connexion Zigbee, on pouvait attaquer ces lampes pour allumer et éteindre les lumières. Et pour le coup, il y a une nouvelle vulnérabilité qui a été découverte et cette vulnérabilité permet à un attaquant de changer le logiciel qui est sur la passerelle Philips Hue et ensuite s'en servir comme point comme pivot pour attaquer le reste du réseau. Vous avez également des vulnérabilités qui sont encore et toujours vraies dans les pacemakers. Donc les pacemakers, ils ont été testés depuis l'année 2011. En 2011, donc il y a eu des découvertes sur des pompes à insuline, comme quoi ces pompes à insuline étaient vulnérables. Et après, on a découvert également sur des pacemakers qu'il y avait des vulnérabilités sur des pacemakers qui permettaient d'envoyer des stimulations plus ou moins importantes et potentiellement dangereuses pour les personnes, dangereux pour les personnes qui portaient ces pacemakers. Donc, si, imaginons, vous avez votre voisin qui a un viager et puis vous voulez en finir plus vite, bah, c'était un moyen pour le faire. Voilà la petite blague à part, mais remettre ça en temps. Donc, voilà les différentes vulnérabilités. Pour la machine à café, là, il était nécessaire d'attaquer le produit directement à travers sa carte électronique. Pour cette berceuse, donc c'est pareil. Pour les Philips Hue, effectivement, c'était une attaque à travers le réseau. Mais il est toujours intéressant, on peut toujours récupérer des informations à travers des attaques directement sur la carte électronique. Okay. Donc les vulnérabilités sont d'actualité. C'était l'idée de cette slide. Et là, on va voir par où effectivement on peut entrer sur le produit. Ce qu'on peut voir, c'est que tout d'abord, on peut attaquer directement le produit. C'est-à-dire, on peut voir sur les interfaces externes de la carte du produit, voir si on ne peut pas,
si je prenais le cas d'une télé, voir si on ne peut pas avoir une connexion SSH, par exemple, en connectant un dongle Ethernet sur la télé. Et ça, parfois, effectivement, on arrivait à avoir cette connexion SSH sur les téléviseurs, parce qu'on s'était connecté avec un dongle Ethernet. Également sur les radios d'infotainment des voitures. Et il était possible à une époque, pour certains types de véhicules, de accéder à l'interface d'infotainment à travers un dongle Ethernet et ensuite récupérer le logiciel, voire le modifier et puis attaquer le véhicule une fois que le logiciel a été modifié. Vous avez également des connexions sans fil qui peuvent être vulnérables. Wi-Fi, 3G, 5G. Donc Wi-Fi, vous avez entendu peut-être parler des attaques sur le WP, sur le web. Le WPA2 est également vulnérable avec des attaques type crack. Vous avez des vulnérabilités avec des mots de passe faibles où on peut brute forcer le mot de passe. La 3G, 5G. Alors là, pour le coup, on peut faire un downgrade de la connexion. Donc, on peut faire en sorte que ça, il n'y a que de 2G qui soit disponible. Et donc, du coup, un portable va se connecter au réseau 2G. Donc, c'est le réseau 2G. Par contre, le protocole 2G est connu pour être vulnérable. Vous avez également donc le Bluetooth 4.1, 4.2 et puis maintenant le 5.0, qui sont connus pour certains pour leur vulnérabilité, notamment sur le 4.0 et 4.1 également. Donc 4.2, vous avez également des vulnérabilités, mais vous pouvez, si vous endurcissez la connexion, vous pouvez réduire le risque d'attaque. Et ensuite, Sigfox, LoRa. Donc là, vous avez des connexions Sigfox, LoRa qui sont intéressantes lorsque vous voulez avoir une consommation très très bas niveau pour vos produits IoT. Et enfin, c'est pas tout. Alors, on se rend compte que parfois, l'objet en lui-même, il est très bien sécurisé, mais par contre, la connexion envers le cloud n'est pas du tout sécurisée. Et c'est là où c'est intéressant, par exemple, pour des pentests que j'ai pu faire sur des serrures connectées, où je me suis rendu compte qu'effectivement, le produit, bon, il était assez robuste au niveau sécurité sur le produit même, mais par contre, lorsqu'il se connectait à un serveur, ce serveur-là, on pouvait faire des injections et récupérer la base de données des utilisateurs. Et ces serrures, quand ils sont connectés, ils permettent quand même de sécuriser un site, donc faire en sorte qu'on ne puisse pas rentrer sur une propriété. Et vous avez par exemple des Airbnb qui sont protégés par ces serrures-là. Et un attaquant qui a l'accès sur la base de données, il pourrait potentiellement s'accorder les accès pour rentrer dans n'importe quelle maison et donc du coup rentrer à l'intérieur et voler ce qu'il souhaite sans trace d'infraction. Alors, vous connaissez peut-être les attaques sur les systèmes IT et la façon dont ça peut se dérouler. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une attaque sur du hardware, sur du matériel, on a à peu près le même type de fonctionnement. Donc, il y a quelques trucs qui vont changer, quelques étapes qui vont changer, mais ça consiste à faire une analyse, c'est-à-dire en fait, on essaie de définir d'informations, de faire en sorte que on connaît assez bien la technologie pour ne pas aller sur des pistes qui vont révéler être infructueux ou qui vont révéler peu d'informations. Donc là, pour le coup, on va d'abord s'intéresser aux technologies qui sont employées sur le produit en tant qu'attaquant, hein. Nous allons nous intéresser donc à la carte, voir qu'est-ce qu'il y a comme composants, quelles sont les références, à quoi vont servir les composants qui sont sur la carte. Et ensuite, nous allons essayer, en tant qu'attaquant ou pentester, nous allons essayer d'accéder au système à travers une des entrées que nous avons vues ici. Soit c'est sur le produit, soit c'est lors de la communication, soit c'est sur le cloud. Donc, quand on a fait une énumération complète et assez bien faite, on a une idée de là où potentiellement on peut trouver un point de faiblesse. Et ce point de faiblesse va nous permettre de, une fois par exemple une fois qu'on a obtenu dans le cadre de la machine à café un accès Wi-Fi, potentiellement donc changer le logiciel. Et une fois qu'on a changé le logiciel, peut-être accéder au cloud. Hein? Donc ça c'est par contre une fois que nous avons fait une émission, vient la partie exploitation.
Et c'est lors de cette partie exploitation où effectivement on change le logiciel, on essaye de trouver des clés, on essaie de voir qu'est-ce qui communique avec quoi. Par exemple, vous avez un produit, vous allez essayer de savoir avec quelle adresse IP communique votre produit. Et une fois que vous avez l'adresse IP, vous pouvez essayer peut-être d'attaquer la partie cloud. Ou alors vous restez sur le problème parce que c'est le produit qui vous intéresse. Donc, les différentes étapes, si on voulait se concentrer maintenant sur du hardware, c'est d'abord on désassemble. Donc, il faut par contre faire attention à tout ce qui est anti-tampering, c'est-à-dire des systèmes qui vont effacer ou qui vont effacer les données sur la carte si jamais il y a du anti-tampering. Ensuite, vous avez, mais ça par contre, on va se rendre compte. En tant qu'attaquant, on va voir effectivement que il y a ce système. On va faire attention pour la deuxième carte pour que justement on déclenche pas l'anti-tampering. Donc l'anti-tampering, c'est un système qui ça peut être un interrupteur. Quand vous ouvrez le boîtier et que l'interrupteur n'est plus en contact avec une batterie embarquée, le produit peut s'effacer, les clés peuvent s'effacer. Donc là, c'est un système anti-tampering. C'est un peu compliqué à mettre en place parce que, imaginons, dans l'usine ou lors du transport, bah, le contacteur il fonctionne plus, il y a un problème avec le contacteur, bah, potentiellement, le produit peut effacer les clés de façon accidentale et puis effacer toutes les données qui étaient nécessaires pour l'exploitation du produit. Ensuite vient la partie fingerprinting, comme je disais. Donc là, on va essayer de trouver un maximum d'informations. Trouver les datasheets suite au fingerprinting. Ensuite, nous allons essayer d'accéder au hardware, au logiciel, trouver des vulnérabilités et puis les exploiter, bien sûr. Alors, l'attaquant, il ne va pas forcément faire un rapport, si ce n'est de publier sur forum pour que d'autres puissent faire la même attaque. En tant que pentester, donc, nous, effectivement, on va faire un rapport et on va même faire des recommandations pour nos clients. Donc, l'hardware hacking, par contre, va nécessiter des connaissances sur quelques protocoles, notamment les plus importants, c'est les protocoles de débogage. Les protocoles de débogage nous permettent d'aller sur une carte et puis de nous interagir avec les composants, tels que des microcontrôleurs, des processeurs, des systèmes on chip, donc des SOC, et récupérer des informations. Donc, c'est vraiment pour débloquer, si je puis dire, le processeur. Bon, un microcontrôleur, la différence avec un processeur, c'est que ça embarque une mémoire, ça embarque la mémoire RAM, ça embarque des périphériques de communication, des outils, des accélérateurs matériels de chiffrement, etc. Ensuite, vous avez également des bus de communication. Ça, c'est un moyen pour que plusieurs composants puissent communiquer entre eux. Vous pouvez, par exemple, avoir un microcontrôleur qui va vouloir communiquer avec un accéléromètre. Et dans quel cas, il va peut-être se servir d'une liaison SPI ou I2C. Vous avez également de l'UART. Donc l'UART, c'est une manière pour un développeur d'accéder à travers un console au microcontrôleur. Ça peut également, par contre, servir pour communiquer avec des modules Bluetooth, par exemple, ou des modules Wi-Fi. C'est-à-dire, vous avez votre microcontrôleur qui est connecté au module Bluetooth et ça permet au produit de communiquer par exemple avec des portables. Et donc tout ça fait que, étant donné qu'il y a tous ces protocoles, tout ça fait qu'il y a plein de produits pour soit débugger, soit communiquer en UART, soit communiquer en I2C, SPI. Vous avez également des analyseurs logiques qu'il faut acheter. Donc en fait, ça fait un tas d'outils qu'il faut acheter, qu'il faut avoir dans son labo pour pouvoir faire les attaques. Et c'est justement de là où venue l'idée d'Arsploit, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était un frein pour pas mal de pentesters, pour pas mal de personnes même dans l'IT. Et donc du coup, on a conçu cet outil qui permet de tout mettre dans un seul produit. Donc vous avez une communication série. Donc normalement, c'était à travers un FTDI que c'était possible. Vous avez le produit SWD ou Debugger JTAG SWD. Donc là, on voit le produit d'ST-Link. Là, également, par exemple, un moyen pour communiquer avec le bus CAN d'un véhicule.
Vous avez le flashcard USB pour la communication avec des mémoires, des bus parallèles, etc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi un analyseur logique. Donc, Raspberry permet également de faire ça. C'est faire en sorte qu'on puisse communiquer avec, ou comprendre du moins, les protocoles qui sont utilisés sur une carte. Parfois, vous n'en savez rien. Vous savez déjà pas quel protocole est utilisé. Donc, vous pouvez, par exemple, vous brancher, une fois que vous connaissez les niveaux de tension, brancher un analyseur logique et ensuite vous essayez de déterminer quel protocole est utilisé. Alors, pour le coup, on ne va pas aller dans le détail de tout ça. Ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Je vais vous montrer Arthbright pour le coup et on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Si vous êtes intéressé, donc il y a la formation qui existe sur 3 jours pour le pentest hardware où vous allez vous servir d'Arthbright pour faire les attaques et où vous allez voir le détail des protocoles. Le jour où vous faites vos propres attaques, vous arrivez à identifier les protocoles. Arthbright, c'est un outil, c'est une sorte de pont entre l'utilisateur et une carte électronique telle que la serrure vulnérable. Et donc, du coup, si vous voulez communiquer avec la carte, vous avez une connexion USB entre vous et Arthbright, il y a une connexion USB. Et ensuite, vous partez selon le protocole avec les fils nécessaires pour vous connecter à votre serrure ou votre produit que vous essayez d'attaquer. Donc là, vous avez, hop, vous avez donc le premier branchement que nous allons faire. Et voilà, donc ça, c'est la première partie. Alors, Arthbright. Serrure vulnérable, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une serrure. On s'est rendu compte qu'il y a toujours à peu près les mêmes vulnérabilités qui apparaissaient quand on faisait des pentests. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est concentrer toutes les vulnérabilités dans une seule même carte. Et ces vulnérabilités, lors de la formation, on va s'en rendre compte en l'attaquant, par exemple, les mémoires. Ici, nous avons des mémoires. En attaquant également le microcontrôleur. Et en voyant également des problèmes de codage qui permettent de faire un debuff overflow. Nous, pour cette présentation, nous allons nous concentrer sur les mémoires et le contenu du binaire à bord du microcontrôleur. Donc, la première étape en tant que pentester, c'est le fingerprinting, l'analyse de la carte. Le fingerprinting, c'est de relever les références que vous voyez sur la carte, si vous avez de la chance. Parfois, il arrive que vous n'avez pas les références. Et en l'occurrence, vous pouvez faire d'autres types d'attaques, soit vous faites par déduction, ou alors vous essayez de décaler le composant pour arriver au niveau du silicium. Et sur le silicium, parfois vous arrivez à voir les marques, mais pour le coup, c'est des attaques un peu plus élaborées. Donc, quand vous avez les références, vous allez essayer de trouver les datasheets, les données, les manuels, les documents techniques pour vos composants. Là, on peut voir que voilà, c'est des composants très très répandus. Donc, c'est des mémoires I2C. Donc, c'est-à-dire, c'est une mémoire avec laquelle on peut s'interfacer avec le protocole I2C. Ou vous avez une mémoire SPI avec laquelle vous pouvez vous interfacer en SPI. Et puis, vous avez également le CAN ici sur cette carte. Et donc là, en tant qu'attaquant, vous allez essayer de voir comment est-ce que vous pouvez extraire des données, déverrouiller cette serrure. Alors, je vais vous montrer la serrure, je l'ai devant moi. OK. Donc, je vais juste vérifier que vous avez la même vue que moi. Très bien. Donc, j'utilise OBS hein, pour vous montrer. OK. Alors. Donc, voici la carte. En fait, la carte,
Donc, si je suis, si le débit, le framerate de mon caméra est assez lent, c'est normal, j'essaie de monter la résolution pour que vous puissiez mieux voir. Donc, si je rentre une clé et j'appuie sur valider, j'ai le LED rouge qui va s'allumer. Et si c'est la bonne clé, c'est la LED verte. Donc, par contre, sur cette serrure-là, il faut 10 chiffres. Donc, je ne vais pas vous taper les 10 chiffres, surtout que je ne m'en souviens pas par cœur des 10 chiffres. Mais voilà, il faut 10 chiffres pour la déverrouiller. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est déterminer la combinaison qui convient pour déverrouiller cette serrure. Et en tant qu'attaquant, effectivement, ça va être compliqué de faire ça en faisant du bruit de force. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire ça avec Artsploit. Alors, ça c'était la présentation de la serrure. On va faire l'attaque. Avant de faire l'attaque, je vais juste vous parler de fingerprinting pour que vous puissiez partir quand même avec des méthodologies d'analyse. Donc, quand on fait du fingerprinting sur une carte telle que cette serrure, un multimètre sur l'écran, voilà comment fonctionne un multimètre. Vous pouvez le mettre en mode test de continuité. Et quand le courant passe, parce qu'en fait vous avez un pôle plus, quand le courant passe, bah, il va biper. Et ce que vous pouvez faire sur cette carte, en l'occurrence, c'est vous voyez. Vous avez des pins ici, des entrées en fait, sur lesquelles vous pouvez vous brancher, tel que je l'ai fait sur la caméra. Et vous allez essayer de voir à quoi est branché ce pin-là sur la carte, sur quelle patte est branché ce pin-là. Et pour le savoir, vous pouvez mettre la terminaison comme de votre multimètre sur une des pattes et la terminaison plus sur le pin ici. Et si ça sonne, c'est que effectivement vous avez une connexion entre cette patte-là et ce pin-là. Et étant donné que vous avez déjà le document technique, vous pouvez déterminer à quoi sert cette patte, votre composant, et puis annoter à côté sur une feuille que ce pin-là permet de vous brancher sur la patte, par exemple SDA, de ce composant-là. Et ensuite, vous faites ça pour tous les pins jusqu'à ce que vous ayez vous avez trouvé toutes les références. Vous n'avez pas besoin de faire une rétro-ingénierie complète de votre carte, ce n'est pas nécessaire. Vous essayez juste d'attaquer les différentes portes d'entrée pour ensuite obtenir des infos. Alors, et une fois qu'on a fait ça, donc on arrive à plus ou moins déterminer toutes les fonctionnalités de la carte. OK. Donc là, je vais revenir donc vers ma machine Linux. Donc voici mon bureau, donc Artsploit GUI. Donc ce que je veux montrer d'abord, c'est le GUI. Là, je clique ici. Et selon le fingerprinting que j'ai fait, bien sûr, on l'a pas fait ensemble, on l'a fait très rapidement. Selon le fingerprinting que j'ai pu faire, j'ai trouvé qu'il y avait des entrées SDA et SL pour l'I2C sur ces pattes-là, sur ces pins-là. Et donc, du coup, je vais me connecter avec mon Artsploit, je vais me connecter en I2C sur ces deux pins. Une fois que je suis connecté, donc comme vous pouvez voir sur le caméra, que je suis connecté. Déjà, avant d'être connecté, hein, effectivement, j'ai pré-branché pour ne pas avoir de soucis avant, et puis étant donné qu'il faut aller vite. Avant d'être connecté de cette manière, ce que j'aurais pu faire, vous voyez, ça c'est la carte. Hop, je clique ici. Donc, en fait, là, j'ai déjà rentré les références. Donc, encore une fois, nous n'allons pas dans l'heure qui est dédié pour cette présentation, faire cette partie-là. Mais je rentre les références du composant, les données qu'on peut retrouver ici, voilà, donc sur le bus, etc.
Et après, une fois que ça c'est fait, je peux faire wiring. Et si je clique par exemple sur CLK, je peux voir sur la carte où est-ce que je dois me brancher pour avoir la connexion CLK avec le composant. Et donc là, c'est assez pratique parce que pour les personnes qui sont dans l'IT ou qui ne font pas ça tous les jours, effectivement, ça peut être assez rebutant et puis ça peut induire en erreur si c'est pas fait correctement. Donc ça aide quand même au branchement. Ok, alors je vois pas le chat s'il y a des questions de temps en temps, n'hésitez pas. Je vais vérifier pour le chat après. Alors peut-être que je peux le voir tout de suite. Ok, là je suis connecté en IEC. Donc là ce que je vais faire, c'est utiliser une fonctionnalité. Alors ce qu'il faut savoir sur l'IEC, c'est qu'on peut s'adresser à tel ou tel composant, donc en lui envoyant son adresse. Et ce que permet RSploit, c'est de brute-forcer toutes les adresses et savoir quel composant se trouve sur la carte. Par exemple, si je fais ça, donc là, il y a déjà des choses qui sont rentrées. Voilà. Je découvre. Ça, encore une fois, il y a des choses que vous verrez soit dans la documentation d'RSploit, soit lors de la formation. Là, je découvre qu'il y a deux composants. A6 à 7, ça correspond à un seul et même composant. Et AEAF, c'est l'adresse d'un deuxième composant. Pourquoi? Tout simplement parce que A6, c'est pour l'instruction d'écriture sur le composant, et A7, c'est pour la lecture. Et AE et AF, pareil, mais c'est pour le deuxième composant. Donc ce que nous allons faire, c'est, en tant qu'attaquant, donc là je vais aller très vite, je vais vous montrer l'I2C, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes encore une fois pour les autres protocoles, mais ce que je vais faire, c'est vous poser des questions par rapport à ce que vous voyez. Et ce que vous pouvez et faire vous mettre à la place d'un attaquant. Donc là, je vais me connecter déjà en 1.6 à 7. Save. OK. Et je vais lire le contenu de la mémoire. Binaire. Donc j'enregistre ça là-dedans. I2C. Bin enregistré et je fais read. Voilà. Donc, hop, là ça devrait être bon. Et maintenant, je vais essayer de voir ce que contient ce composant-là. Je vais ouvrir un terminal. Donc là, je suis dans ce répertoire-là, hein, c'est pour ceux qui ne travaillent pas sur Linux. Donc là, je peux faire un ls. Je vois qu'il y a i2c1 bin. Ensuite, soit je peux utiliser un logiciel type bless pour ouvrir ce fichier. Et là, voilà ce que je vois. Donc je vois training serma, board serma. En l'occurrence, on voit qu'il y a des informations pas très intéressantes à récupérer sur ce composant. Bien sûr, ce n'est pas tout. Il faut tout faire défiler. Et je vois qu'il y a des FFF. Donc, OK, il n'y a rien d'intéressant. Donc là, je ne vous pose pas de questions. Hein, vous voyez, il y a plein de choses. Effectivement, c'est peut-être des informations qui auraient pu servir pour de l'affichage. Ce que je vais faire maintenant, c'est lire le contenu de la deuxième mémoire. Donc, là. Je vais cliquer sur Settings, Launch, pour trouver l'adresse de deuxième composant. Et je vois que c'est AE en écriture et AF en lecture pour communiquer avec ce deuxième composant. Save. Et là, je vais faire un read et je vais enregistrer ce que j'ai lu dans un fichier qui va s'appeler ce coup-ci i. De ces deux bins. En bin. Read. OK. Alors, là, je vais refaire bless, mais cette fois-ci, je vais mettre i de ces deux bins.
Et voilà le contenu de mon deuxième composant. Alors, c'est là où je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, le chat, il est là. Je ne sais pas si on peut activer le chat pour avoir des idées. Je confirme que le chat est disponible. OK. À votre avis, donc ne soyez pas timide, qu'est-ce que vous voyez comme information? Qu'est-ce qu'on peut faire ici, à votre avis? Est-ce que c'est du chiffrement? Est-ce que c'est quelque chose de chiffré? Il semblerait que ce soit du texte. Oui, déjà, c'est du texte, mais effectivement. La qualité était très très mauvaise en fait. On n'arrive pas à lire. On suppose que c'est du texte, mais la transcription est vraiment très très mauvaise. Ouais, je confirme. OK. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser une autre façon d'afficher. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à lire à votre écran, sur votre écran. On voit que c'est des. On suppose que ce sont des caractères, mais nulle part on peut lire les caractères en fait. La qualité est vraiment très très mauvaise. Oui, on lit même pas les noms des fichiers ni quoi que ce soit. Ah oui, ouais. D'accord. Ok, ben, merci pour. Je ne sais pas si vous pouvez régler la qualité. Je vais couper déjà mon webcam parce que ce n'est pas nécessaire pour le moment. Ouais, peut-être qu'elle consomme le débit. Ouais. Je pense que ça peut aider au moins à améliorer le débit. Ok. Là, alors, je vais augmenter la taille du texte ici et je vais vous l'afficher à travers le terminal. Ça reste. Ouais, là, c'est tout juste là, ça commence à peine à. OK. Voilà. C'est un peu mieux. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas non plus. Compliqué. On dirait de l'hébreu en fait. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça y est. D'accord. OK. Génial. Donc, sur Linux, pour information, vous pouvez également faire strings. Et puis, en fait, strings, ça va sortir tous les caractères ASCII qui sont disponibles dans un fichier. Alors, je fais strings i2c2 bin. Peut-être qu'il y a un peu de lag. Donc, entre le temps où je vais appuyer sur entrée et l'affichage, vous aurez un temps de latence. Oui, là, on voit. OK, nickel. Alors, là, ce que vous voyez, à votre avis, c'est quoi? Ça ressemble à un pattern. C'est trois fois la même chose. Alors, ça pourrait être une clé. Alors, j'ai dans le chat. Donc, j'ai BLAST64 ou quelque chose comme ça. Génial. OK, voilà. Voilà, j'ai la réponse. Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'on utilise couramment dans le web. Donc, ceux qui travaillent sur. Du BLAST64. Voilà, c'est du BAS64. Alors, c'est de l'encodage, c'est pas du chiffrement. Effectivement, on peut revenir en arrière. Bon, pour voir quand même le niveau, qui a une commande pour que je puisse le convertir en texte? On va voir s'il y a des. Je vous laisse juste un petit instant. Est-ce qu'il y a des personnes en chat? Binaski ou. Merci. Ouais. Bah, Eric Beaulieu a répondu dans le chat, donc effectivement c'est écho, du texte ici hein, par exemple. Alors là je vais ajouter, voilà, et ensuite un pipe. Donc en fait le pipe, ça veut juste dire que l'information qui est ici, le résultat de ce traitement ici va être envoyé vers la prochaine fonction. Et en l'occurrence, c'est BES64-D. Je ne me trompe pas. Ouais, voilà. C'est un petit doute. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez voir? Le résultat de ce que j'ai tapé ici. Donc, password run. À votre avis, à quoi ça servait ce deuxième mémoire? À stocker les mots de passe, visiblement. Non, ou des traces. Voilà, c'est ça. Les exactement. Traces, peut-être traces. De passe-fond. Oui, vu le nom, ouais. Peut-être plutôt voilà, ça. Voilà, c'est ça. C'est la trace de ce que, en fait, à chaque fois que quelqu'un essayait de s'authentifier, bah, on gardait un log. Voilà, c'est ça. On gardait un log de la tentative. OK. Bon, ça, c'était la mémoire I2C. Donc, on passe à la suite. Voilà, on voit qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à trouver là-dessus. Hein. Donc là, je vais débrancher. Je vais prendre ma deuxième carte qui est déjà pré-branchée.
Nous sommes riches en cartes. Donc, je peux me permettre. Donc on se sert de ces cartes pour les formations. C'est pour ça. Ok. Voilà. Donc là, je suis branché. Là, j'ai débranché la webcam, mais il faut dire que je suis branché en SPI. Donc j'essaie de communiquer avec l'autre composant mémoire qui communique en SPI. Donc le composant, c'est un 25LC08. Je vous invite à regarder le datasheet si vous êtes intéressé par ce composant. Mais bon, je pense pas que, pour le coup, ce qui vous intéresse le plus, c'est que ce soit ça. Donc là, je vais essayer de créer le contenu de la deuxième mémoire. Donc ça, encore une fois, tout a été pré-enregistré. Alors, l'idée de départ avec Rsploit, c'est qu'avec la communauté, on fasse une base de données. Alors, pour le coup, la base de données, on n'a pas pu le compléter. Donc, il y a sûrement des personnes qui ont beaucoup de composants dans leur base de données. Là, pour le coup, la mise en place de la base de données en ligne est en cours d'élaboration. Hein. Il y a eu des retards, notamment justement avec récemment. Donc, il y a eu, mais je vais vous parler de ça après. Donc, enregistrer. Ah, donc là, je lis le contenu de la troisième mémoire. Ok, donc là, je reviens ici, ouvrir un terminal, et je vais refaire. Voilà. A priori, j'ai fermé CTRL plus. Ouais, je me doutais que ça n'allait pas marcher. Voilà, zoom avant. Et maintenant, je vais faire strings SPI. Comment ça se fait? Il est vide. Ça doit être l'effet démo. Bon. Ces cartes-là, on les reset. Et potentiellement, j'ai pas repeuplé les mémoires. C'est peut-être pour cette raison-là. Donc, c'est une autre carte training. C'est pour ça, à mon avis, que nous n'avons rien là-dedans. Mais c'est pas grave. J'ai des solutions de secours, normalement, si je ne les ai pas supprimées. Voilà, ils sont là. Donc, hop, je vais faire un strings, pareil, SPI. Et voilà ce que contient la deuxième mémoire. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Donc, je suppose que vous allez me donner comme consigne. Oui, la qualité d'affichage est à nouveau visible. D'accord. Si c'est possible de zoomer, ouais. Bon, bah là, c'est du BAS 64 encore. Attendez, j'ai un problème avec. Voilà. Ok. C'est du BAS 64 encore, donc potentiellement, nous devons faire. Bon, cette fois-ci, je vais faire un strings du fichier et ensuite, je vais faire BAS 64. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est en fait, je vais prendre toute la sortie, donc std out, et je vais le piper, je vais les faire passer à travers le tuyau pour BAS 64. Et voilà ce que je retrouve. Alors, puis, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, c'est des chiffres. Ouais. Alors 33, 29, c'est pas de l'ASCII ça? Les codes testés, alors Charlie, non, c'est... non de pas de code testé. C'est de pas l'ASCII. De l'ASCII. Enfin, c'est pas de l'exa en tout cas, c'est du décimal. Il n'y a pas de d'ASCII. Oui, il n'y a pas de. Décimal. C'est du décimal. Effectivement, voilà. À votre avis, à quoi ça peut correspondre, tous ces chiffres? Vous avez une serrure sur la serrure, tous les chiffres dans une mémoire.
Oui, ça pourrait être effectivement, mais par contre, il n'y a pas de séparateur, il n'y a pas l'air d'y avoir de Oui. séparateur. Ouais. Effectivement, là, on Ils sont voit tous pas. avec le quoi. Admet que c'est Je sais pas si c'est la un pattern une qui se maison. répète, mais on voit pas vraiment un pattern qui se répète Alors, comme ça. j'avais dit tout à l'heure qu'il y a 10 chiffres à rentrer. Il faudrait C'est pas. peut-être les classer par 10 pour voir si. Exactement. Et alors, on se rend compte effectivement que, par exemple, jusqu'à là, nous avons une combinaison. Faut écho. Et je vais faire 64-D. Et voilà ce que je trouve. Et si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors j'aurais également pu faire compte avec la fonction. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Mais il y a 10 chiffres. Alors si j'essaye ça, du coup, je vais rect, en espérant que ça ne va pas trop faire laguer. Hop. 1, 2. Donc ça c'est les 3, 3, 3. Ah mince. Je fais 1. Donc 3, 3, 2, 9, 0, 8, 2, 6, 6, 9. Alors là j'ai un autre composant. Peut-être que c'est pour ça. Le truc c'est que, étant donné que j'ai récupéré cette information d'un dump précédent, voilà. Donc effectivement, non, ça fonctionnait. Donc là, vous avez la serrure déverrouillée. Et c'est pas une vulnérabilité, on l'a inventé, c'est simple, machin. Non, ça existe vraiment. Vous avez vraiment des produits. Ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir tout le firmware disponible sur une mémoire externe, des clés qui étaient disponibles sur une mémoire externe pour communiquer avec un serveur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est possible. Alors là, c'était la mémoire SPI. Si on revient, donc là, je crois que j'ai 15 minutes, même pas. Ouais, j'ai 10 minutes. Donc là, si on revient ici, nous pouvons voir que nous avons testé la mémoire I2C, la mémoire SPI, et il reste encore la connexion UART, donc potentiellement il y a une vulnérabilité UART, et également la connexion SWD pour dumper le firmware. Or, je n'aurai pas le temps malheureusement dans 7 heures pour vous parler de des vulnérabilités qui existeraient sur ces protocoles. Donc là, pour le coup, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire à des formations. Donc c'est sur 3 jours. Ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas la seule chose qu'on va voir. C'est vous avez également du SDR, Software Defined Radio, pour attaquer des connexions sans fil. Et vous avez en fin de formation un CTF où vous mettez en œuvre tout ce que vous avez appris durant les 2 jours, donc sur les 3, pour attaquer un drone. Alors le drone, pour le coup, il va pas voler parce que si vous êtes effectivement 10-15, va avoir 15 drones qui volent, ça va être compliqué. Par contre, vous armez, désarmez les drones, vous attaquez mon drone en tant que formateur et vous attaquez les drones des autres, le vôtre, et ensuite vous faites également un buffer overflow. Donc il y a une pour parler de buffer overflow, donc c'est un dépassement de mémoire tampon. Vous avez sûrement entendu parler de cette attaque où vous pouvez à travers une vulnérabilité due à un mauvais codage, attaquer le composant et faire exécuter des instructions arbitraires à travers une interface. Notamment, par exemple, ici, ce sera peut-être une interface UART. Donc, vous faites un buffer overflow sur cette serrure durant la formation. Vous faites également un buffer overflow sur le drone. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas gâché trop de choses. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à découvrir pendant la formation, si jamais ça vous intéressait. Ok. Donc, il me reste 10 minutes. Je vais rapidement conclure. Donc, voici ce qu'on prévoit de faire. Donc, nous prévoyons de mettre à jour avec le CAN, le protocole CAN, la exploit V1. Donc ça a déjà été développé, seulement il reste que le test. Et en fait, pendant le Covid, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Il y a également la détection de bus I2C, SPI.
Lecture et écriture à 1 mégabit par seconde sur l'IDEC. C'est important lorsque vous voulez des débits plus importants. Et le fait d'utiliser deux interfaces en simultané sur la version 1. Après, nous prévoyons également de upgrader, donc la mettre à jour l'interface. Donc là, on est en USB 2. On aimerait bien faire du USB 3, avoir une meilleure FPGA. Mais bon, ça, c'est un peu plus tard. Donc après, nous prévoyons des versions professionnelles, etc. également pour cet outil. Pour le coup, il faut quand même un soutien. Donc en fait, on compte sur la communauté pour acheter la première version. Et puis également, pour ceux qui achètent la première version, faire des promos sur la deuxième version, par exemple. Donc c'est des choses que nous avons en cours, que nous avons actuellement et que nous voulons développer encore pour plus tard. Bon, là, je peux pas vous le dire tout de suite, mais il y a des choses très intéressantes qu'on va révéler au fur et à mesure qui arrivent sur le Arkwright V2 et V3. V3 qui se base sur la V2, sur le matériel V2. Voilà. Mazloum, nous avons une question qui est: dans quelles conditions peut-on exploiter les données des mémoires si on ne connaît pas comment elles sont structurées? Ah, ça, en fait, là, ça va être par déduction. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons vu du bas 64. Alors, je vais juste voir sur le chat. Donc, Laurent qui a posé la question. Oui. Alors, c'est par déduction. Soit vous faites la rétro-ingénierie si vous avez l'accès au binaire. Vous faites la rétro-ingénierie sur le binaire. Alors, pour le coup, ça, c'est un métier. Hein, vous n'allez pas faire de la rétro-ingénierie du jour au lendemain. Ou alors, si c'est que des données, vous voyez que moi, ce que je fais, par exemple, c'est j'ai plusieurs produits, deux produits, trois produits, et ce que je fais, c'est je dump la mémoire du premier, je dump la mémoire de deuxième, et je regarde ce qui change. Si je vois qu'il y a peu de choses qui changent, je peux me dire que lui et le deuxième, par exemple, les clés peuvent changer, les clés d'accès peuvent changer. Quand vous avez des chiffrements. Quand vous n'avez pas de chiffrement, vous pouvez avoir toutes les données identiques. Et imaginons, vous faites fonctionner le premier produit et ensuite vous refaites un diff. Il y a quelques trucs qui vont changer. Si vous faites un diff entre avant et après, vous allez voir des petites choses qui vont changer et ça va vous donner une idée peut-être selon ce que vous avez modifié. Imaginons que vous avez modifié une configuration. Selon ce que vous avez modifié, vous pouvez déterminer si effectivement ça sert à configurer ces données-là, et sert à configurer votre produit. Et ensuite, vous allez vous concentrer sur des petites données. Il n'est pas possible, en fait, ça va être compliqué de se concentrer sur toutes les données et c'est de tout comprendre du premier. C'est par petites étapes où vous allez arriver à déterminer l'utilité des données que vous récupérez. D'accord. Alors, est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, tout à fait. Je comprends qu'après d'avoir une quantité de produits permet de pouvoir faire du comparatif et de voir quelles sont les zones les plus sensibles et qui sont susceptibles de se changer. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Nous avons également une question qui nous a été posée par Vincent Mazloum. La législation nous demande de durcir les BIOS OS logiciels, mais pas encore les logiciels embarqués. Ça peut être une question. Alors effectivement ça peut être le cas. Alors ça dépend, en fait, si c'est pour des raisons dans le domaine militaire, par exemple, ça on demande au niveau composant que vous mettiez en place les mesures de sécurité nécessaires pour compliquer les attaques. Alors ça veut dire en fin de compte que vous devez faire du chiffrement, chiffrer les données. Ce n'est pour pas mal de domaines, notamment le domaine ferroviaire, ni le domaine aéronautique ou le médical, mais peut-être qu'un jour, ça sera nécessaire. Ça va être vraiment, il faut voir en fait sur quelles normes on se base pour savoir si dans votre métier, ça sera obligatoire. Voilà. Effectivement, je pense pas que ça soit obligatoire dans le métier. Je dis ça. Néanmoins, les Américains, la FDA, en fait, la Food and Drug américaine, nous demande en fait
quels sont les logiciels embarqués qu'on a sur nos instruments, ainsi que les OEM. Donc, D'accord. pour l'instant, on Ouais, n'a pas de ouais. problème dedans, mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a des, au niveau de nos logiciels embarqués, on a l'outil LDRA qui permet de faire analyse de code, alors règles de codage, analyse de code statique, analyse de code dynamique. Et je ne sais pas si c'est redondant avec les, comment dire, les attaques possibles. Enfin, Ça va, ouais. j'en sais rien en fait. Le logiciel, en fait, il va effectivement, il va chercher les vulnérabilités, les qui sont faciles à, pas faciles à trouver, mais qui sont recensées du moins. C'est-à-dire, il y a des vulnérabilités qu'on va trouver dans le code. Alors, je ne sais pas comment est fait cette analyse par le logiciel. Est-ce que donc avec l'analyse dynamique, il envoie des données en espérant justement les faire planter? En fait, c'est typiquement les règles de codage, c'est Il va vérifier. Okay. il vérifie qu'il n'y ait pas d'overflow possible. D'accord. Ouais. Donc, il vérifie déjà en fait une partie des choses. Bah, ça, c'est déjà de défense Pour une, profonde, une étape de oui, défense en profondeur qui est c'est ça, assez intéressant. c'est en fait une règle de codage qui permet de tester qu'il n'y a pas de buffer overflow. Effectivement, il n'y a pas de règle de codage qui permet comment dire, de voir s'il y a un mot de passe ou un Voilà, ouais. données patient. Effectivement, ça, il n'y a pas. Ouais. Ouais, effectivement, ce genre de choses, ça va être après de l'audit vraiment de code fait par quelqu'un qui vous permettrait de savoir ça. Ok, Ou alors merci. même le mot de passe facile, etc. Ça peut être également quelque chose qui peut être fait par quelqu'un. Ok, merci Vincent. Alors, Laurent, si on désactive les ports permettant de la communication en mode debug, comment fait-on pour générer un buffer overflow au critical instruction? Alors, c'est pas forcément à travers le. En fait, ça peut être à travers l'USB, le buffer overflow, ça peut être à travers le Bluetooth, sur le stack Bluetooth carrément. D'accord, Ça peut être. merci. Ouais, c'est vraiment tout en C'est fait par un protocole qui est utilisateur. ouvert à l'extérieur. C'est ça, exactement. D'accord. Toute entrée machine, donc ça peut être soit une communication machine-machine, mais dans quel cas un utilisateur malveillant va s'interposer et envoyer des données plus importantes, des données différentes, en espérant de faire planter votre machine. Et soit il va les faire planter, mais ça ne va pas aller plus loin, mais il veut faire du denial of service. Ou alors, il peut effectivement espérer l'exploitation de ce buffer overflow. Bah là, par contre, ça va soit être du blind, donc il va essayer de faire envoyer des données sur 32 bits pour faire sauter le logiciel vers une autre instruction. Ou alors, il va faire ça en récupérant votre logiciel. Alors, ma voix, je pense que un petit problème de connexion. Hop. Voilà. OK. Donc voilà, ça peut être, ou alors c'est en analysant votre code qui peut espérer de faire l'exploitation de votre du buffer overflow qu'il a trouvé. D'accord, ok. Est-ce Merci que beaucoup pour l'information. pas de souci, pas de souci. Donc pour conclure. Donc le GUI, c'est assez innovant sur le coup sur Aspect. Je ne connais pas d'autres outils qui ont un GUI qui permettrait d'attaquer des cartes électroniques. Donc c'est pas que pour les noobs, hein, c'est également quand vous voulez faire des trucs rapidement, je m'en sers également. C'est juste que ceux qui adorent passer à travers le CLI, le Command Line Interface, voilà, c'est possible. Interface for Electronic Test Not Related Security, bon, on peut s'en servir pas forcément pour faire que des attaques, ou on peut également faire du VNV. Alors pour le coup, il faut le développer, par exemple, il faut développer la fonctionnalité, mais c'est quelque chose qui serait possible. Moi, je m'en sers par exemple pour flasher les C-cartes, pour flasher en SWV les cartes, et puis pour vérifier le logiciel. Donc ça peut être intéressant pour le VNV sur les cartes électroniques. Ça peut être intéressant pour vérifier que vous n'êtes pas en train d'être attaqué également, ou votre logiciel n'a pas changé. Vous pouvez scripter également à travers les API. Donc ça, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a la possibilité de vous interfacer à travers le Ruby au framework Aspect.
Il y a donc où nous avons une architecture assez flexible. On peut mettre ce qu'on veut sur sur l'FPGA. Donc l'FPGA en fait c'est un processeur mais programmable. Donc pour faire simple, hein. Et on peut mettre ce qu'on veut comme bitstream, comme code sur l'FPGA. Donc il y a une base de données pour la communauté. Nous avons récemment ajouté donc une dizaine de références pour que on alimente la communauté. Et il y a plein d'autres possibilités que nous envisageons pour la suite. Alors, si ça, jamais ça vous intéressait encore une fois, donc là c'est en comme je disais, nous faisons des attaques avec Artploit sur la carte de training. Nous faisons également du décodage et de la réception et décodage de trames reçues par radio. Et je vous montre également comment faire des attaques à travers la radio, comment utiliser des logiciels très très, très faciles à prendre en main. Et ensuite, nous faisons toutes nos attaques pour le dernier jour sur un drone. Et c'est un drone qui communique dans une fréquence donnée. Donc ça, c'est déjà encore une fois des informations que vous devez trouver lors de la formation, lors du CTF. Vous avez les contacts. Donc nous allons vous envoyer ces slides par la suite.